Nous lisons rapidement Lévitique 26, verset 2 jusqu'à 12. Vous observerez mes sabbats et vous revêrerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez avec la vendange et la vendange attiendra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point dans votre, par votre pays. Je ferai quoi? Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et je serai et vous serez mon peuple. Amen. Amen, amen. Amen. Lévitique 19, verset 24 jusqu'à 25. Lévitique 19, le verset 24 jusqu'à 25, je lis au nom de Jésus. La quatrième année, tout en l'œuvre, oui, seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La quatrième année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La cinquième année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen, amen. La quatrième année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La quatrième année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La cinquième année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est une parole prophétique pour toi. Amen. Nous sommes à 2024, quatrième année. Amen. Et aujourd'hui, vous allez semer votre fruit. Amen. Et l'année prochaine, vous allez manger. 2025, cinquième année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quatrième année. Tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel, au milieu des réjouissances. Et cinquième année. Cinquième année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Écoutez, Dieu ne fait rien sans les chiffres. Dieu fait tout avec les chiffres, avec les lieux. Il est le Dieu des temps. Il habite hors le temps. Il contrôle le temps. Il connaît tout. Il est omniprésent. Amen, amen. Il y a une condition pour vivre la gloire de Dieu. Il y a une condition. C'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Lorsque Dieu produit le vouloir en toi, bien-aimé, si tu n'es pas sensible, tu vas rater ta saison. Tu vas rater ta destinée. La parole de Dieu est claire. Si tu obéis, il y a une condition.
si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Deux conditions. Tu dois demeurer en Christ, dans les choses de Dieu, mais la parole de Dieu doit demeurer en toi. Et c'est comme ça que tu seras intouchable. La parole de Dieu doit demeurer en toi. Dis à ton voisin, la parole de Dieu doit demeurer en toi. Tu ne dois pas être seulement un chrétien qui demeure à l'église, qui demeure dans les choses de Dieu. Mais la parole de Dieu doit demeurer aussi en toi. La Bible dit que les faibles disent... Et ça, c'est mon secret. Même quand les choses n'allaient pas, j'étais toujours fort. Même quand le diable me donnait le coup, j'étais toujours fort. Je disais, mon Père céleste, il s'élèvera. Le dernier. Bien-aimé, il y a quatre signes qui annoncent une nouvelle saison. Il y a quatre signes qui indiquent une nouvelle saison commence dans ta vie. Alors, si tu es ignorant, insensible, tu vas louper tout. Tu vas louper ta bénédiction. Si tu n'as pas l'écoute, tu vas louper ta bénédiction. Le Seigneur nous demande de prendre soin de cette journée du sabbat. Le sabbat, c'est le jour de Dieu. Il y a des gens, le sabbat, ils sont dans la maison. Il y a des gens, le sabbat, ils organisent des fêtes. Ma cousine, ma nièce, ma tante, on va faire des brochettes, on va manger. Manger. Tu ne connais pas ton futur. Les jours de sabbat, la Bible nous dit quoi? Tu peux lire. Lévitique 26, à partir du verset 2, je lis au nom de Jésus. Vous observerez mes sabbats. Vous observerez mes sabbats. Et je vous révérerai mon sanctuaire. J'aime ma version. Ma version me dit, gardez les repos du sabbat et montrez du respect pour mon lien saint. Donc tu ne peux pas toucher le sabbat de l'Éternel. Les jours de l'Éternel. Tu as des raisons pour ne pas être à l'église le dimanche. Vous savez quoi? Ce que le diable n'aime pas, c'est de nous voir unis. La Bible dit quoi? Vous refuserez. Tout ce que vous refuserez. Si vous vous mettez d'accord, si des personnes elles se mettent d'accord, et elle demande quelque chose. La Bible nous parle toujours plus de deux personnes. Tu peux lire, continuer 26. Cinq d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Est-ce que vous voyez? On ne parle pas d'une seule personne. Dieu aime l'unité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu, pour bénir ses enfants, il demande les regroupements, les rassemblements. Vous comprenez? Il est important dans les yeux de l'Éternel. Dieu aime les rassemblements pour son honneur. Un chrétien ne peut pas rester dimanche à la maison sans rien faire. Tu regardes la télé, Seigneur. Les dimanches, au lieu même de suivre par Internet, non. Au lieu même de suivre les cultes par Internet. Et toi, tu préfères de regarder télé-novela dimanche matin. Dimanche matin, tu préfères de regarder je ne sais pas quoi. Écoutez-moi, je vais vous apprendre quelque chose. Lorsque vous regardez la télé le dimanche matin, l'heure de culte, tu regardes un film, il faut savoir que tu n'es pas seul, vous êtes avec les diables à côté. Je vous dis la vérité. La désobéissance, c'est l'arme de qui? C'est le diable qui nous pousse à désobéir. Parce qu'il sait. Si tu obéis, si tu obéis, le diable, il sait. Il connaît les Écritures. Il sait que si tu obéis,
y a une bénédiction sur toi. Tu auras la supériorité. Tu mangeras le fruit, le meilleur fruit de ton pays. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et toi, tu trouves des raisons dimanche. Non, je ne peux pas aller parce que c'est un problème. Nous serons là quand les autres vont commencer à témoigner. Tu vas commencer à regarder seulement avec tes gros yeux. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Le monde est spirituel. Si tu n'es pas spirituel, bien-aimé, tu vas regarder les autres avec tes gros yeux. Tu regardes et tu critiques. Tu regardes et tu critiques. Tu deviens un critiqueur. Mais tu ne vois pas que non, c'est trop quand même. Nous ne sommes pas dans la saison des pluies, mais comment les légumes là, ça pousse? Comment ces maïs se poussent? Comment ces bananiers poussent? Comment les manguiers poussent? Nous ne sommes pas dans cette saison-là. Non, je crois que c'est des fétiches. C'est des cas d'Isaac. C'est des cas d'Isaac. Je ne suis pas toi. Je suis dans ma saison. Tu es dans ta saison. Alors, tu dois discerner que le temps de malheur est fini. Tu commences une nouvelle saison. Tu entres dans une nouvelle saison. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous voulez connaître ces signes? Ça, c'est pour les gens qui payent les dîmes. C'est pour les gens qui respectent Dieu. C'est pour les gens qui sont à l'église. Ça veut dire, chaque dimanche, tu es à l'église. Si tu n'es pas là, parce que tu travailles. Amen. Ou bien, c'est pour les gens qui ont décidé de commencer une nouvelle vie. L'année prochaine, tu mangeras les fruits de ton sol. Aujourd'hui, tu commences une nouvelle vie, une nouvelle saison. C'est à toi de décider. La Bible dit, par la connaissance, tu seras délivré. C'est spirituel, bien-aimé. Dis à ton voisin, c'est spirituel. Le monde est spirituel. Et tu dois être aussi spirituel. L'acte que nous allons poser aujourd'hui de fruits, c'est spirituel. Caïn, il vient avec les légumes et les fruits pour élever un autel. Dieu a refusé de prendre ses fruits. Donc tu peux consacrer quatrième année tes fruits pour l'Éternel. Tu les manges. C'est prophétique. L'année 2025, tu vas maintenant récolter les fruits. 2025. Qui veut récolter dans 2025 les fruits? Tu vas récolter au centuple. Amen. Abel, il dit non, toi tu viens avec des fruits et les légumes, moi je viens avec les sangs. Parce que Dieu aime les sangs. Les sangs, c'est des sacrifices que Dieu aime. Lorsque tu élèves un autel, tu dois l'accompagner avec les sangs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu mangeras les meilleurs fruits. Quand la Bible dit tu mangeras les meilleurs fruits de ton sol, ça veut dire tu occuperas ton sol. Tout ce que tu entreprendras va réussir. Amen, amen. Amen. Ne donne pas tout au diable. Parce que surtout les Noirs, les Africains, le succès c'est pour les diables. Oui, les diables donnent le succès, mais Dieu donne le succès qui ne suit d'aucun chagrin. Les diables, quand ils donnent, ils doivent prendre les enfants, ils doivent prendre les petits-enfants. Il va détruire ton futur. C'est un assassin. C'est un menteur voleur. Assassin. Tes petits-enfants, ils vont mourir un après l'autre. Tu peux décider aujourd'hui de commencer une nouvelle saison. Par les éléments que je vais te donner tout de suite. Je serai très rapide. Et on va prier. On va prier pour posséder les territoires. On va prier pour manger les fruits
Parce que si tu ne connais pas que tu n'es plus dans ta saison, tu vas faire beaucoup d'efforts et tu auras l'hémorroïde. Je répète, si tu ne sais pas que la saison est changée, tu vas faire beaucoup d'efforts, oh, tu n'es plus dans la saison des manguets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu ne discernes pas les saisons, tu vas souffrir. Tu vas beaucoup souffrir. Tu ne seras pas dans ton territoire. Tu dois avoir l'esprit d'Issachar, de connaître que cette saison, elle est en train de prendre fin. Et une autre saison commence. Lorsque une saison prend fin, on change, non? On change même les habits, n'est-ce pas? Pendant la saison de la pluie, toi, tu ne veux pas acheter des parapluies. Même les chaussures changent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hier, il pleuvait. Je suis sorti avec cette chaussure et de l'eau entrée à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Parce que je n'ai pas regardé. La météo. C'est normal. Alors, nous aussi, nous avons notre météo. C'est le Saint-Esprit, notre météo. Amen. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses que tu ne connais pas, les choses cachées, les choses que tu ignores. Tu ignores même que tu seras le number one. Bien-aimé, tu peux stopper la pluie. Tu peux arrêter les choses. Mais tu dois savoir comment le faire. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu veux changer quelque chose, bien-aimé, va, élève un autel. Vers minuit, lève-toi, tu élèves un autel. Tu dis, Seigneur, je me lève pour cette chose. Le chef-là qui me dérange, il n'aura plus de travail, lui et ses enfants et ses petits-enfants. Je lève cet autel et voici mon sacrifice. Mon travail ne sera jamais touché, ni le travail de mes petits-enfants. C'est un autel. Tu cites le nom de ton chef. Je le dégage de son poste et je prends son poste. Première indication. Tu as un désir inexplicable de la prière. Un désir inhabituel. Lorsque une saison arrive dans ta vie, une nouvelle saison commence dans ta vie, tu auras une envie de prier. Tu auras beaucoup le désir de prier. Et tu aimerais être seul. Tu vas prier à tout moment, à tout temps. Ce sont des signes qui annoncent une nouvelle saison arrive dans ta vie. Tu pries à 12h, tu pries à 15h, tu pries à 18h, tu pries à 23h, tu pries à 10h. Tu dors seulement 1h, 2h. Et tu auras une force inexplicable. Un désir inhabituel. Ça, c'est le premier signe qui annonce une nouvelle saison arrive dans ta vie. Tu ne veux pas manquer à l'église. Le désir, donc dimanche, je dois aller prier. Dimanche, je dois aller adorer. Dimanche, je dois aller. Donc, l'équipe te manque. Ce sont des signes qui annoncent une nouvelle saison arrive. La saison change. Le désir de rester seul dans ton coin pour prier. Le désir d'aller à l'église, dormir à l'église le week-end comme maman Catherine. Amen, amen.
Deuxième signe, tu auras des attaques de toutes parts. Tu auras des attaques de gauche-droite. Tu auras des attaques dans la famille. Tu auras des attaques dans tes relations. Tu auras des attaques au travail. Des attaques inhabituelles. Des attaques inexpliquées. Tu ne peux pas l'expliquer. Toi-même, tu ne comprends pas. J'étais bien avec lui. J'étais bien avec lui. Mais pourquoi il m'a fait ça? J'étais bien avec lui. J'étais bien avec lui. Avec elle. Pourquoi? Comme maman Lise, elle posait la question. Mais j'étais bien avec elle. Pourquoi elle m'a fait ça? J'étais bien avec elle. Je crois qu'elle était ma sœur. Pourquoi elle m'a fait ça? J'ai dit, la nouvelle saison arrive. Tu peux parler dans cette nouvelle saison avec cette dame-là. Est-ce que vous comprenez? Tu auras des attaques même sur ta santé. Alors si tu ne comprends pas toujours que tu es dans ta nouvelle saison, tu es dans ta nouvelle saison, Dieu prépare ta destinée. Bien-aimé, tu vas souffrir. Quand tu vois des attaques comme ça, ça doit te pousser encore, encore et encore dans la prière. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Oh non, je ne comprends pas. Mon chef, je ne comprends pas. Mais j'étais bien avec lui. Je ne comprends pas. Il a changé. Tu auras des problèmes de gauche à droite. On va t'accuser à tort, injustement. Tu auras des problèmes à l'école. Tu auras des problèmes à gauche, à droite, la santé, dépression. Alors, ça doit te pousser dans la prière. Quand tu vois comme ça, là, un homme qui a le discernement, il doit entrer dans la prière. Donc, ça veut dire une nouvelle saison arrive. Les esprits qui t'attaquent, comment ils s'appellent? Les esprits territoriaux. Maintenant, lorsque tu as encore des problèmes dans la famille, il y a des réclamations, tu fais des choses, les choses ne marchent pas, tu ne comprends pas. Ça, maintenant, c'est les esprits ancestrales, familiales. Bien-aimé, tu dois savoir, je l'avais dit l'autre jour, tu dois savoir que les esprits ancestrales connaissent bien tes ancêtres. Ils connaissent leur nom, leur âge, leur défaite, comment on avait fait pour les stopper, pour les arrêter. Et toi, tu fais des blagues. Quand les esprits-là se lèvent contre toi, ils vont vraiment t'attaquer. Parce qu'ils se posent des questions. Mais comment cet enfant, il s'élève? Comment cet enfant, il ose de nous attaquer? Comment cette fille, elle ose de nous chasser de notre place, de notre lieu, de notre maison? Comment cette fille, elle ose? On a stoppé son grand-père. On a arrêté son aïe, hein, les aïeux. On a arrêté tout le monde dans sa famille. Mais comment elle est tentée de réussir? Comment elle veut devenir? Comment elle veut entrer dans cette saison nouvelle? Comment elle veut entrer dans cette destinée prophétique? Parce que le diable, il voit. Donc, c'est elle qui sera la femme du prince. C'est elle qui sera vice-maire de la ville. C'est lui qui sera. Ah bon? C'est lui? Toi, tu ne vois pas, mais ils ont déjà vu ton étoile. Oh, je parle à quelqu'un. Dans le monde des ténèbres, ils ont vu ton étoile. Et c'est comme ça qu'ils vont multiplier les attaques contre toi. Pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Pour que tu n'entres pas dans ta nouvelle saison. C'est pour cela que tu vois qu'il y a beaucoup d'attaques. Ta santé est menacée. Parce qu'une nouvelle saison arrive. Alors, si tu as des discernements, tu vas faire quoi? Tu vas fouiller dans la prière. La Bible dit quoi? Revêtez-vous de toutes les armes, hein? Les armes de Dieu. Plongez dans la parole de Dieu. Première arme que nous avons, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la lumière. Revêtez-vous. La vérité comme une ceinture.
Alléluia! Dis-moi un amen, que je vais te révéler le troisième signe. Amen. Troisième signe maintenant. Envie de tout donner. Envie de donner. Lorsque cette envie-là commence à te toucher, l'envie de donner, tu ne vois plus la valeur des choses. Tu commences à voir l'esprit de tout donner. Envie de donner inhabituelle. Je vous parle de choses qui sont bibliques. Et moi, j'ai expérimenté cela. Lorsque je dis à ma femme, on va donner notre voiture, on va donner ça à Dieu. On doit changer la saison. La saison de voitures d'occasion, je ne veux plus ça. On doit donner ça à Dieu. On va faire l'échange avec Dieu. On va faire de cette voiture hôtel. Et nous avons fait ça. Et ce n'est pas fini. J'ai eu encore envie de donner. J'ai donné. Envie de donner. Et Dieu change aussi des choses. Je ne vois rien qui est trop cher à mes yeux pour ne pas donner à Dieu. Je peux tout donner à Dieu. Et ça montre que tu es dans une nouvelle saison. Non, je vais me séparer avec ces bijoux. Non. Non, ces bijoux-là, ça me freine. Moi, je disais à ma femme, cette voiture-là, ça devient notre malédiction. Je ne veux plus de cette voiture. Comment je peux faire 5 ans avec cette voiture? Et j'ai parlé à la voiture. Toi, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on se sépare ici. Je ne veux plus te voir dans ma vie. Et va dire à tes voisins, à tes copains, dites-les que je ne veux plus vous voir dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Et je suis allé m'asseoir dans une voiture qui était là. J'ai dit, toi, je te veux. Je te veux dans ma vie. Et c'était aussi le cas. Dieu m'a donné ce que j'avais touché. Envie de tout donner à Dieu. Dieu a promis à Abraham l'élévation, la grandeur. Mais Dieu dit, mais comment, Abraham, tu n'as pas envie de tout donner? Comment? J'ai produit le vouloir de donner, mais tu ne donnes pas. Ah, donne-moi Isaac. Lorsqu'il a donné Isaac, Dieu active maintenant le père de la foi. Tes enfants vont contrôler le monde. Tes petits-enfants vont diriger le monde. Amen. Ce fut le cas. Nous sommes contrôlés, dirigés, influencés par les Juifs. N'est-ce pas? Quand tu donnes parce que tu as l'autre, ce n'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez? L'autre est là déjà. Mais nous avons donné la voiture, il n'y avait pas ni promesse de la voiture, ni promesse d'embauche, ni promesse de crédit, ni promesse que quelqu'un nous a promis la voiture, rien. Que dalle. 5 semaines dans le froid, à pied. Il faut accompagner les enfants, monter la montagne là à pied. Lorsque tu montes là, tu sens vraiment que la foi aussi c'est difficile. Hein? Quand tu n'arrives pas à ce stade-là, bien-aimé, tu es encore dans la saison ancienne, dans l'ancienne saison. Et quatrième signe, tu as un songe. Parce qu'il y a l'élévation et l'élévation, chacun à son niveau. On te donnera par rapport à ce que toi tu donnes. Celui qui sème paix moissonnera aussi paix. Celui qui sème beaucoup, il va moissonner aussi beaucoup. Amen, amen. Il y a des gens, ils ont l'habitude de tout donner. Moi, j'ai vu des gens, ils ont tout donné. Ils prennent ces matériels, ils donnent tout. J'ai vu des gens en vie là. Ça s'annonce une nouvelle saison, une grande saison arrive dans ta vie. Amen. Mais tu seras attaqué de gauche à droite.
Quatrième signe, un songe, une prophétie. Dieu va orchestrer une rencontre prophétique dans ta vie. Une rencontre inexplicable. Toi-même, tu poses des questions, mais comment? Ah, c'est pas normal. Dieu va orchestrer une relation prophétique. Dieu lui-même va orchestrer une rencontre prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu as beaucoup souffert. Et Dieu a décidé de stopper cette saison de souffrance. Tu as beaucoup pleuré. Dieu a décidé de stopper cette saison de plaire. Cette maladie-là doit s'arrêter. Tu as pris beaucoup de médicaments. Dieu a décidé de stopper ces médicaments. Kamashekerabaosaya. Lève-toi, on va prier.